Salut tout le monde, c'est Yaoki et on se trouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Batman Arkham City sur Xbox 360. On continue. Alors, la dernière fois on avait été trompé par le Joker et maintenant on se retrouve à chercher Mr. Freeze. Et pour cela, Batman va devoir trouver le point le plus froid de Batman de Arkham, tout simplement. Donc on va quitter cette zone. Le labo de Freeze doit sûrement être par là. Je me dirige clairement vers le point. Voilà, donc lui c'est fait. Pourquoi je n'y ai pas pensé plutôt? Une ligne directe pour appeler mon meilleur ami Freeze. Ok. Nouvelle mission secondaire identifiée. Très bien. Ça c'est cool. Donc là on est à moins 3,5 degrés. Dans mes souvenirs c'est ici hein. Voilà. Le vieux bâtiment du GCPD. Freeze doit avoir réaménagé un des vieux laboratoires. Il faut que j'entre là-dedans. Voilà, donc là je dois chercher Mr. Freeze, qui est un grand vilain de la série Batman. Ok, donc là ils ont des flingues et il ne faut surtout pas que je me fasse repérer. Ok. Alors lui c'est un journaliste. Prisonnier politique. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Pitié, je suis venu pour chercher à manger. Ici? C'était pas facile. J'ai bien observé ces types. Ils sont tous dingues. Les gars du pingouin attendaient ceux du Joker. Mais les gars du Joker ont déboulé et leur ont collé une raclée. Les gars du Joker cherchent Mr. Freeze. Disons que c'est le seul que j'ai pas vu. Les gars du pingouin sont entrés dans le bâtiment. Et ceux du Joker ont passé je ne sais combien de temps à tenter d'y entrer. Attendez ici et cachez-vous bien. Je vais trouver un moyen dans ce bâtiment. Nouvelle mission secondaire. Donc là, il faut surtout pas que je me fasse repérer. Et oui, donc là, effectivement, ils sont morts. Ça, c'est des mecs du Joker. Si je ne me trompe pas. Alors, détection. Donc là, on a un mur destructible qui va peut-être nous servir à faire quelque chose. Lui, je l'envoie chier vite fait. Donc là, je me casse. Ils m'ont pas repéré pour l'instant. Donc ça, c'est cool. Ok. Là ils sont plutôt nerveux, hein, agités, hein, comme nous l'indique le sens de Batman. C'est pour ça que je vais devoir les contourner et ne pas faire n'importe quoi. Par exemple lui il est tout seul, sauf que lui il y a un autre mec ici. Après je pourrais me cacher dans les petits conduits là en orange. Là ça va me permettre de les éliminer silencieusement. Ce qui est plutôt cool. Là il faut bien que j'attende qu'il y en a un qui passe. N'essayez pas d'approcher du mur d'entrée. Non, putain, je peux même pas le buter ici. Ouh. Ça c'était inattendu ce que je viens de faire. Je ne m'attendais pas du tout à faire ce genre de truc. Là, je suis repéré. Très bien. Allez, hop, toi, casse-toi. Ok. Bon, je joue beaucoup avec la visée, hein, ce qui n'est pas très beau. Ce qui n'est pas très classe. Donc là, il y a des mecs encore. Oh merde! Il
Putain, j'ai fait de la merde. Je croyais qu'à pouvoir descendre et m'incruster. Et en fait, non. Elle est pas facile, cette zone, hein, quand même. Hein. Là, il me voit, là. Oh non. Je vais crever. Oh mon dieu, je vais bientôt crever. C'est pas juste. C'est pas juste. Il faut que je les élimine vraiment d'un coup, quoi. Non, bon, pas vu là. Ah non, ok, c'est ok, ok. Lui se déplace, très bien. Ah, il se retourne souvent, hein, celui de devant. État terrifié, putain. Bien sûr, faut attendre que lui s'isole, ce qui est cool. Oh non, c'est pas possible. Oh mon dieu, fais chier. Je croyais que tu aurais un peu plus d'endurance. Bon bref, on a foiré, j'ai foiré. J'ai perdu trop de vie inutilement. Et ça c'est vraiment con. Il faut être assez rigoureux et contrairement à des jeux comme Hitman, et ben l'infiltration perdure, on va dire. Mais qu'est-ce qui bloque? La porte, elle est bloquée. On sait quoi? Essayez encore d'entrer. Ah. Je leur explose la tronche. En fait, faut être rapide. Et après, on fait quoi? On attrape Freeze et on le ramène au Joker. Bon, bref. J'ai pas perdu beaucoup de vie. Ça, c'est cool. Ah, voilà. Il a utilisé de la fumée pour s'enfuir. Bon, lui, je peux le niquer. Oh. Je m'occupe de cette zone. Ok, cool. Cette approche est difficile. Ouais, c'est ça, t'as trouvé quelqu'un, mais tu fermes ta gueule. Ok, ok, ok. Il faut pas qu'il se retourne. J'ai trouvé quelqu'un. J'aime pas quand ils sont deux comme ça parce qu'on peut vraiment rien faire. Allez, réveille-toi. Ça y est, on est foutu. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La ferme, bordel! On doit continuer à chercher. Où on va... Ah! Lâcher une balle fumigène. Oui! Ah! Attendez, il y a encore des ennemis là? Non! Attaque tombée, voilà, allez dans ta gueule! Laisse-moi tranquille, Batman! Eh ben très bien! Voilà, j'ai récupéré ma vie! C'est super ça! Donc maintenant on va entrer dans le bâtiment. Voilà. Le téléphone. Ok. Ramasser trophée de l'homme mystère, c'est fait. Ok. Ah oui, alors ah oui. Là, il faut que je vous dise, le téléphone, c'est pas de la quête principale en fait. Ça, c'est juste une quête secondaire
où c'est un mec qui appelle et on doit répondre, sinon il y a des personnes qui meurent. Voilà. Et c'est assez stressant comme mission. Voilà, mais je crois que ça avait à voir avec la quête principale, mais en fait pas du tout. Voilà, commissariat qui a bien changé, hein. Le gang du Joker est encore dehors, monsieur Cobblepot. Bien. Veillez à ce que ça ne change pas. Pas de problème. Ouais, ok. Les sbires du pingouin montent la garde dans cette pièce. Je dois trouver une autre entrée. Écoutez-moi bien. Pas pour qu'on garde cet endroit. Pas d'entrée, pas de sortie. Si on voit un gars du Joker, on le bute. Ah non, la chauve-souris, on la butera pas, j'espère pas. À quoi elle ressemble? Ok, j'ai réussi à trouver une sortie un peu fiable. Donc déjà lui il est isolé, lui il peut regarder. Ok, ok. Ce que j'aimerais bien, c'est que... Non, attendez, l'autre il sort. On le trouve pas. Y'a rien ici. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous êtes en train de me dire que vous êtes tous incompétents. J'adore le pingouin comme il engueule ses hommes, c'est rien. Et les doublages sont vraiment super bien aussi. Je voulais pas dire ça. On le trouvera. Bien, ah oui, une dernière chose. Il paraît que Batman vient vous voir. Bonne chance. Non, c'est pas possible. Ça a des moniteurs cardiaques. À chaque ennemi éliminé, il sera averti. Je dois agir rapidement. Il a disparu. Ok. Il a disparu. J'ai perdu. Non, ils m'ont pas vu là. Non, bon, ok, c'est bon. Ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fiches? Tu vas y te tuer. Faut que tu restes concentré. Et là, là je l'ai. Là, vite fait. Ils ne m'ont pas vu non plus. Ok. Après, faut vraiment attendre qu'il se disperse. Ouais, mais c'est Batman, les gars. Comment il peut faire ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Viens, ferme. On va continuer à chercher. Qu'est-ce qui se passe? Montre-toi, reviens. Ok, lui, il est à peu près isolé. Si j'arrive. Ah ouais, mais là, ils m'ont détruit une poutre, hein. Ces enfoirés. Ouais, c'est ça. J'ai bloqué tous les ils descendent. Putain, si je tente ça, je suis un beau gosse parce que... Oh. Bon, voilà. J'ai pas été un beau gosse sur ce coup-là. Malheureusement. Mais là, il faut vraiment que je me trouve un chemin. Oh, ils m'ont pas vu. Oh, les nukes. Oh là là. J'ai perdu. La vache, il a disparu comme ça. Ok, ok. Ok. Il ne me voit plus. Maintenant, c'est soit l'un, soit l'autre. Passez rapidement, non. Non, ils m'ont pas détruit cette poutre. Ah. Lui, il est carrément sur la barrière, lui. Hein. Tranquille. Et hop, voilà, il m'en reste plus qu'un.
interroger un voyou. Ok, allez. Dis-moi ce que tu sais. Où est Freeze? Il est dans le musée. Le pingouin le tient. Je vais être obligé de t'arracher la langue, gamin. J'ai horreur des sales petits rapporteurs. Non, pardonnez-moi, monsieur Cobblepot. Dans son petit musée. Je te laisse, Batman. Je suis bien à l'abri dans mon musée. Et j'ai un peu de matraque. Sauver Mr. Freeze des griffes du pingouin. Ok, ok. Ça ne me dit rien qui vaille. Ça c'est good. Bon bref, je vais pas essayer de m'emmerder avec les trucs de l'homme mystère. Et maintenant, il faut me barrer. Il faut que je me barre. Je suis coincé. Cool. Alfred. Bonjour, monsieur. Alfred. Bonjour, monsieur. Avez-vous pu prendre l'antidote à Mr. Freeze? Dans le bâtiment du GCPD. Il y a eu des complications. Le pingouin a mis la main sur Freeze et ils m'ont enfermé dans le bâtiment du GCPD. Il est rassurant, lui. Vous êtes conscient que vous êtes sûr de mourir si vous ne récupérez pas vite l'antidote? Merci de me le rappeler, Alfred. Je suis dans un bâtiment de police. Cobblepot a de toute évidence payé des huiles. Putain, j'aimerais trop télécharger à cette vitesse-là parce que moi, j'habite un petit peu dans un trou paumé et le fait de télécharger à une vitesse phénoménale comme Batman, eh ben, ça me plaît pas mal. Donc là, il n'y a pas une salle de commande, de trucs, là. Allez, dans tous les films on voit ça. Ah, ok. Ah oui, niveau de sécurité. Ah oui, alors ça c'est des codes. Il y en a, ils sont extrêmement durs à faire. Des fois, vous pouvez y passer 10 minutes à le faire, ça m'est déjà arrivé. Là, il est super simple. Disséqué. Mais oui, effectivement, dans les quêtes secondaires, vous allez avoir par exemple... non, c'est pas l'épouvantail, c'est un autre mec. Bon, bref, et c'est des messages codés super difficiles. Et pareil pour l'homme mystère, hein. Pour trouver certains codes, ça rend une galère pas possible. Ok, donc là ça fait déjà plus d'un quart d'heure que on tourne. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo longue ou pas. On va peut-être déjà se rendre dans le musée. Voilà, pour terminer cette vidéo. Alors vous voyez, on a même un truc grec, Gotham City Olympus, ce qui est marrant. Et il y a énormément de clins d'œil et énormément de secrets à découvrir dans cette ville. Franchement, c'est vraiment d'une richesse, c'est impressionnant. Par Crow. Ok, donc là mon petit objectif me dit que je suis dans la bonne direction. Il y a aussi, bon là je vais vous spoiler mais c'est normal, il y a aussi un petit endroit où en fait on peut rendre hommage à l'endroit où Batman a perdu ses parents. Il me semble que c'est, voilà, il s'est ici. Voilà, et on peut rendre hommage ici. Derrière la cassette, on peut rendre hommage. Voilà, bon c'est un petit easter egg sympa, je vais pas le faire là parce que ce serait une perte de temps. Et plus tard je vous le montrerai. Je suis pas loin du... Ah bah c'est là qu'on a commencé l'aventure. Sur le Ace Chemical. Ça c'est la banque. Voilà. Franchement, Arkham City, c'est très délabré, hein, c'est un peu post-apocalyptique, mais il y a vraiment une ambiance super sympa, vachement très extrêmement retranscrit. Alors, donc là il y a des mecs aussi. Bon, lui il est... Peut-être, mais qu'est-ce que ça change? Le pingouin a des machins dans son musée qui les tient droit à l'écart, lui et les autres cinglés. Tu crois? C'est clair, on a des armes militaires,
On a un équipement sophistiqué qui peut arrêter n'importe quelle armée. Et on a un sacré mec qui va s'assurer qu'on gagne. Oh, j'espère que t'as raison. Bah, bien sûr que j'ai raison. Et en plus, si Batman réussit à rentrer dans le musée, ça, c'est les caméras de vidéosurveillance. Plus d'un tour dans son sac. T'as vu tous les machins qu'il y a ici, c'est dément. Elle est pétée, là. Ah, quand même, voilà. Et donc ça, c'est des petites maisons, enfin, c'est des petites missions, en fait, du protocole 10. Les soldats que vous avez vus au début de l'aventure. Ben, ça, c'est des mecs qui doivent opérer le protocole 10 sous les ordres du Docteur Strange. Bon, ben là, c'est des mecs qui sont pas armés. Enfin, c'est à l'arme blanche. Donc, ça va aller vite fait. Pas besoin de faire de l'infiltration. Bon. Ici. Ouh. Ouh, j'ai trop cuté, le pauvre. Allez dans ta gueule. Bon là c'est vraiment le bordel. J'en tape sur les autres, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, là c'est l'hélicoptère Tiger qui est en train de me faire des éloges. Ouh. Il commente mes exploits. Fossiles. Ah oui. Effectivement, dans les musées, il y a des fossiles. Batman repéré. Ok. Orienter et maintenir. Oh putain, j'arrive pas à faire ça. Ah oui, d'accord, il faut que je maintienne. Putain, mais non! J'arrive pas à tuer ces mecs. Comment chiant, j'ai pas assez de place. Si. Bon, bref, on va s'arrêter là les amis, ça fait déjà 23 minutes, bon c'est pas très long mais on va quand même s'arrêter là. Là je vais pas faire de vidéo pendant une semaine puisque je ne serai pas chez moi, donc voilà, pendant à peu près une semaine il n'y aura pas de vidéo sur Eventail Production. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez nous suivre sur Twitter également. Et moi je vous retrouve à très bientôt. Salut à tous.